La directrice du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a caractérisé le travail de préparation de la Chine pour les réunions de G20 de réfléchi. Elle a aussi loué l'idée de la Chine d'ajouter comme caractérisation d'une croissance saine l'épithète inclusive à forte, durable et équilibrée. On écoute. Les objectifs ont été fixés dès le départ. Les réunions ont été ordonnées, organisées et disciplinées. Je dirais que la plupart des objectifs qui ont été fixés ont véritablement été atteints. Il y a toujours des progrès substantiels lorsque des personnes se parlent. Et il y avait clairement un bon esprit de coopération entre les ministres des Finances, les gouverneurs de banques centrales et les institutions financières internationales. Le G20 parle de croissance forte, durable et équilibrée. Nous connaissons ces mots par cœur. Eh bien, à l'occasion de la présidence chinoise, nous avons inclus une quatrième caractérisation qui est l'inclusivité. Et il est extrêmement important de parler de l'inclusivité de la croissance. C'est un mot simple, mais par cela, nous entendons s'assurer que chacun en bénéficie, s'assurer que les petits et moyens entrepreneurs et entreprises aient accès au financement, comprennent l'environnement fiscal dans lequel ils évoluent.